في منزلها في طنجة فين كيتواجد المرسم ديالها غادي نتلاقاو مع أمينة رزقي، فنانة مغربية بلجيكية كتعيش بين طنجة مسقط رأسها ومدينة بروكسل اللي تبنتها. هي واحدة من أهم الرسامين المعاصرين والموهوبين في جيلها. الرسم هو شغفها وحبها وكتكرس له كل وقتها وطاقتها. فنانة كتشتغل بلا كلل في الورشة اللي أعدتها في المنزل العائلي. كنا محظوظين بلقائنا مع أمينة رزقي داخل هذه الورشة الخاصة فين كتشتغل في لحظات انغماس. Bonjour Amina. Bonjour. Ça va? Bien, bien. Ça va, c'est Elik? Bien, alhamdoulilah. عيطت لكم ما سمعتينيش، عيطت لكم انت كتسمع الموسيقى. وكتسمع الموسيقى، واه، جي كنت لا تسمع. دابا كنت كنسمع أم كلثوم. اه. فوالا. واخا ما كنفهم والو. Je me laisse emporter par la musique et par la voix. Parfois, j'aime bien la musique qui est très rapide quand je fais quelque chose qui a besoin d'énergie. Yes. Alors là, j'aime la musique à fond et de la musique très forte, quoi. كل فنان كيطور طقوسه الإبداعية. الإبداع هو نتيجة لعملية طويلة من التفكير والتنظيم واللي كتتطلب إعداد ذهني مسبق. وفي ظل هذا اللقاء الخاص وفي جو ودي غادي تكشف لنا أمينة عن بعض العادات اللي طورتها خلال ممارستها الطويلة للرسم. حاجة الأولانية اللي كنعمل كان جلس بغات en face de mon tableau وكنشوف parce que j'ai pu voilà parce que j'ai pu si j'ai commencé le soir ملي كنمشي ننعس كنبدا نخمم ما كنعاش حتى تسويت دائما كنكون في ديك لو طابلو شي طول الوقت encore dans la toile alors ce soir الحاجه الاولانيه اللي كنخصني نعمل كنخصني نمشي je dois aller le voir je dois voir qu'est-ce que j'ai fait hier soir ou qu'est-ce que je vais changer qu'est-ce que par rapport à la réflexion que j'ai eu que j'ai eu la nuit et par rapport aussi à la lumière oui parce que généralement ici au Maroc je travaille le soir les premiers coups de pinceau je le fais le soir et donc quand je viens je regarde si les couleurs sont les bonnes est-ce que c'est pas trop foncé est-ce qu'il y a encore de la lumière qui rentre dedans donc il y a tout ce questionnement avant de repartir. كل هذه الأسئلة كتدخل في طريقة الإبداع الخاصة بكل فنان. الرسم بالنسبة لأمينة رزقي هو أكثر من مجرد وسيلة تعبير، هو أسلوب حياة تراعيه كل يوم. Pendant le processus d'y aller la toile, je ne sais pas combien d'aller-retour je fais devant la toile. Uh-huh. Parce qu'il faut toujours regarder, s'éloigner, réfléchir, se poser des questions. Est-ce que, mais c'est tout en fait des questions qui se font automatiquement. Mm-hmm. Ce n'est pas tu te dis, allez, je me pose la question sur le chemisier, est-ce qu'il y a assez de lumière qui rentre ou bien il y a assez d'ombre, est-ce que le pantalon aussi. Donc c'est un questionnement qui se fait tout seul. Naturellement, pendant la création. Pendant la création. Voilà. Je suis à la hâte la Ben écoute, tout est parti à partir de ma préparation de l'exposition à Tulle Galerie à Rabat. J'avais fait une petite toile d'elle, une table avec plusieurs personnages assis les uns à côté des autres. Je me suis assise dans mon fauteuil de Bruxelles, glisse ou disque un chef d'éclatoile. Les gens, la tête était, je les avais fait normaux, donc humaines. Et puis venu, j'ai dit, ouais, ils sont beaux, ils sont en costume, ils sont si, mais bon, la toile c'est quoi, la peinture c'est quoi, est-ce que je dois juste les faire beaux ou jolis ou aussi, ou ça, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux exprimer sur cette toile.
Et puis il y a eu un coup, j'ai eu la férocité de l'homme qui m'est apparu. Donc j'ai dit voilà, je sais ce que ce que je veux faire, ce que ça va devenir. Des donc corps voilà, des corps d'hommes humains, et des voilà. Et voilà, avec des têtes, des têtes de bêtes, que ce soit le corbeau, la vipère, chacun, j'aurais donné une gueule, puisque c'était devenu des animaux. La hête d'abord a une gueule de lion. Ouais, donc le lion, le roi de la jungle. Mais oui, il a un petit corps d'enfant. D'enfant, oui, tout à fait. Il est agenouillé, puis il implore. Ou dirait-il un petit chemisier en rose. Eh ben oui, donc, mais qu'est-ce que tu veux exprimer qui, voilà, c'est ça qui m'amuse aussi. Parfois, il y a un peu d'humour. Ouais. Voilà, peut-être pour rendre un peu les choses un peu plus larges par rapport à certaines et autres plus cool, toiles. Dédramatisées. Hein. Voilà, un peu dédramatisées. Ouais, mais c'est donc le lion qui est le roi de la jungle, voilà, qui est l'animal féroce de la forêt. Mais là, je l'ai mis en état où il est à recroquevillé, où on a l'impression qu'il crie, qu'il est en demande de quelque chose qui vient de l'extérieur de la toile. Ben pour moi, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter que même aussi fort qu'on soit, y a toujours une fragilité, que ce soit dans l'air. الرسم هو ملجأها الوحيد اللي من خلاله كتحول أفكارها ومشاعرها إلى لوحة فنية كتجسد الواقع أو الحالة النفسية اللي كتواجد فيها. هي متعطشة دوما للرسم وللإبداع وكتجند وقتها كله للرسم. أمينة، شنو هما المواضيع اللي كتطرق لها في لا بانتور ديالك؟ Bah, écoute, moi, mon premier sujet, c'est l'homme, c'est la place de l'homme dans la société. Voilà, c'est ce qui me touche. Moi, c'est ce que je veux parler dans ma peinture, c'est de l'humain. Voilà, dans toutes ses positions, dans toutes ses faiblesses. Quand je commence une toile, je ne savais pas, oui, je savais qu'il allait avoir un homme assis. Mais je ne savais pas que j'allais mettre de genouillères, je ne savais pas. Au déchet que j'ai au fur et à mesure. En fait, je prends ma toile comme si c'était une scène. Ah, voilà, c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Voilà, je les place au centre. Des derniers aussi que j'ai fait, et c'est aussi l'humain dans la tourmente, dont une course folle avec le drone, voilà. Et c'est l'homme blessé qui court, quoi, qui ressort encore une fois, cette main qui ressort de la toile pour dire je veux sortir à l'extérieur. Et là, c'est une toile que j'ai commencé très tard le soir, il devait être minuit. Je sentais qu'il y avait un bouillonnement. J'ai pris cette toile qui était déjà là et je l'ai commencée. Et tout s'est placé de suite. Super. Voilà, moi j'appelle ça des moments magiques de la peinture. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je peins aussi, pour ces moments-là. هاد اللحظات السحرية كتلتقطها أمينة في أعمال قوية ومعبرة، لوحاتها وصورها بلا قناع كتشهد على إتقانها للرسم وكذلك على شخصيتها القوية والمتميزة. كتعكس أمينة في اللوحة مشاعرها وتصورها الخاص للعالم، هي تلامس وتسامي وتستنطق الذات وتأخذنا إلى عالم الخيال والأحلام. واو أمينة، هنا عندك واحد المنظر بانوراميك وي assez impressionnant. dirait des favelas هنايا لا وي وي tout à fait. moi aussi j'appelle ça les favelas. Donc ici, on est Ferraré, juste en face sur cette colline-là, c'est Msnana. Mm-hmm. Et en
En fait, c'est tout. Les personnes construisent petit à petit leur maison. Et ça, j'ai tout dans l'impression que c'est comme un jeu de Lego. C'est au fur et à mesure qu'ils installent, une fois la fenêtre, une fois. Bon, voilà, mais c'est. Là, ça commence à devenir super impressionnant parce que quand mon beau-père a construit la maison et qu'il a acheté le terrain, c'est plus de 25 ans. Tout ça, c'était la forêt. C'était vide. De ce côté-ci. On voit la forêt là-bas. Oui, eh ben ici aussi, c'était la campagne. D'ailleurs, c'était pour ça qu'il s'était installé ici pour les week-ends. Il venait le week-end ici. Et de ce côté-ci, il y avait cette maison et il y avait une autre maison de quelqu'un aussi qui passait ses week-ends ici. Donc, c'était vraiment la campagne. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu ça. Mais voilà, mais moi ça me plaît. Kiek. Ouais. Comme je te racontais, je disais tout à l'heure que ma peinture, principalement, c'est l'humain. Là, je suis gâtée. Et quand je suis assise ici le soir, qu'il y a toutes ces petites lumières, j'essaye de deviner ce qu'il y a. La vie de, chaque petite fenêtre, de chaque petite. Petite maison, je me fais des histoires. Et là, ça me rappelle un peu mon enfance aussi. On était comme ça, tu vois, le soir. Ouais. On sortait, on s'amusait à courir. Donc voilà, c'est bon enfant. Moi, ça, je suis bien. Franchement, je suis bien. Ça, voilà. وفر لها هذا المنزل العائلي المريح والواسع فضاء للعمل وأيضا فضاء لتخزين لوحاتها العديدة. C'est une maison que j'ai consacrée pour ma peinture. C'est super. Donc, voilà. Et l'espace ici prête bien. Oui, voilà. Bon, là, on voit des grandes étoiles de grande dimension. Oui, et ça, c'était pour la même expo dont je t'ai parlé en bas. Ça, c'est des toiles qui ont été exposées là. C'est assez sombre là, parce que le sujet ça, oui, mais le sujet est aussi assez sombre. Je travaille toujours le noir, mais là c'était une période, c'est vrai, où je ne faisais que ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de couleurs. J'ai intégré la couleur. Et en fait, comment j'ai intégré la couleur, c'est aussi depuis le confinement. Ouais, c'est depuis le confinement, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de redonner vie. Vie à la vie, en fait. C'était tellement, dans mon atelier à Bruxelles, c'était tellement calme, c'était tellement triste, alors que je suis en plein centre, que j'en avais peur. Et puis j'ai voulu redonner de la vie à tout ce qui se passait. C'est marrant cette histoire de redonner de la couleur, enfin, avec la période, parce que justement, on vivait tellement une période sombre. Voilà, tout à fait. Qu'on avait besoin de mettre un peu de joie, un peu de voilà, couleur, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça que la couleur... est apparu. Il y a effectivement beaucoup d'œuvres, j'imagine, ça, l'atelier d'Ariel Bruxelles. Mais je travaille tous les jours, donc c'est essentiel pour moi que de créer tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Voilà, j'aime faire tout en grand. Voilà, j'ai besoin d'avoir beaucoup tout le temps autour de moi. Ben voilà, c'est comme la peinture, c'est comme les enfants. Oui, c'est vrai. Ben oui. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin. C'est un besoin essentiel. C'est essentiel. Moi, on dit que tu crées beaucoup, c'est que ça doit être fait. C'est ce truc, c'est que ça doit être fait.
C'est super. Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de l'artiste qui est devant sa toile blanche ou là, sa feuille blanche ou là. Je pense que c'est mal, c'est de la mouche qui l'aide. Non. Même quand je ne peins pas, je peins dans ma tête. Ah oui. Même quand je ne suis pas devant la tienne, je suis constamment en ébullition. Ah. Non, ouais. Je pense que si j'avais quatre mains, ça serait... ça serait pas. Il y en a qui peinent avec leur pied. Ouais, voilà, mais ça serait pas. Franchement, ça serait pas le trop. C'est l'œuvre que j'ai faite de mon père. Je n'ai pas l'habitude pratiquement de faire des gens que je connais parce que j'ai toujours peur de les écorcher, qu'ils ne soient pas contents de leurs photos, enfin de leur peinture. Mais là, j'ai voulu faire mon père. Mm-hmm. Donc. Voilà, il n'est pas écorché, il est... Non, c'est très doux, ouais, justement. Voilà, il est fait, il est fait dans la douceur. Exactement, voilà. Oui. Il n'y a pas... Mais, c'est pas torturé du tout, hein. Non, du tout. Non. Ouais. Écoute, il représente pour moi de la douceur, donc... Oui, c'est ce que tu as essayé reproduire aussi, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire. Très important pour toi, Amina, dans ton parcours, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il a été super important. Je me dis que c'est grâce à lui aussi que je me suis mise à la peinture, à dessiner. Parce qu'il adorait dessiner des croquis, des petits croquis de portraits dans ses carnets, dans ses agendas. Et j'aimais le regarder dessiner. Donc c'est peut-être pour ça que je me dis, c'est peut-être aussi certainement en relation avec mon père que j'ai fait de la peinture. Il m'a appris à crocheter. Donc, il se crochetait des petits bonnets de toutes les couleurs, rouge, bleu, jaune. Et j'ai encore ce fil, c'est peut-être pour ça, le fil rouge, qui se crochetait. Et qui se termine par un bonnet. Et on le retrouve, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. أمينة في هذا المنزل العائلي المشرق جو دافئ ومريح. ولتأتيت الفضاء انتقت أمينة أشياء قديمة ولوحات وارتبتها بطريقة متناغمة. الكل عطى طابع خاص لهذا المكان اللي كيعكس شخصية أمينة. C'est toi, j'ai l'impression. Je te reconnais. Oui, c'est un peu, c'est un peu un autoportrait. Voilà, j'ai voulu travailler en fait l'identité. D'où le kaftan, la palette, j'ai essayé d'essayer de mettre ce que je suis, Donc voilà, le drap blanc, la palette avec l'oiseau qui sort, voilà, ce qui sort de l'intérieur, qui sort par la peinture. Qui prend son envol, la palette agive. Voilà. Alors donc il y a des tableaux, il y a des portraits, qui ont plein d'objets. Alors ouais. Amina, j'adore. J'adore tout ce qui a déjà une vie. J'adore chiner les vieilles photos, le vieux papier, je peux retravailler. Ouais. J'ai remarqué une chose, c'est que Katsini bel maqloub. Oui, mais... Alors c'est quoi cette histoire? Mais écoute, c'est toute une histoire en fait en... En 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus très bien, mes œuvres ont été saisies par la douane. Uh-huh. Donc j'ai eu beaucoup de mal à les récupérer parce qu'ils n'étaient pas signés, première chose. Ils n'étaient pas signés, donc ils ne savaient pas d'où ça venait. Je devais leur prouver que c'était à moi. Et quand j'ai pu les récupérer, dans la cave des douanes, ils m'ont demandé de les signer. Sur place, et puis j'étais tellement contente que j'ai pas fait attention, je les ai tous signés à l'envers. Ah,
دوك هذيك دونك فوالا فرحه فوالا افيك تلفت Et depuis là, c'est resté. J'ai dit, ouais, c'est pas mal, les choses ne se font pas par hasard. Par hasard. Donc voilà, un petit peu. Ouais, à l'envers. Voilà. Ah, donc d'accord. Tout ce qui est après 2012, 2011, signature à l'envers. Et ah, ça fait le cachet d'hier. Voilà, ouais, un peu. Voilà, c'est un endroit paisible. Ouais, là, c'est paisible, ouais. Effectivement. Donc, ouais. Non, on dirait la campagne. Ouais, de ce côté-ci, oui. Ouais, de ce côté, oui. Tout, voilà. Tout ce qui est urbain. Oui, voilà, c'est pour ça que, qu'on a voulu laisser de la verdure et un jardin sauvage. Ouais. Donc voilà, et il y a... Des arbres, là, c'est un citronnier. Oui, c'est un citronnier. Ouais. Ouais. Il y a un citronnier, un grenadier, il y a des avocats, enfin... Il y a plein de fruits, mais ce n'est pas moi qui les ai plantés, c'est mon beau-père qui les a plantés quand il est venu habiter ça. Il mettait chaque fois un arbre, sauf le palmier. Le palmier, c'est moi qui a voulu le planter. D'accord. Parce que quand j'étais petite, quand j'étais, que je suis montée à Bruxelles, c'était la chose, c'était ce que je dessinais, un palmier. Ah, et oui. Qui était la représentation du Maroc pour moi. Puis il y a le figuier aussi, il a toujours été présent chez nous, le figuier dans les maisons. Voilà, ça c'est le palmier là, que je voulais absolument planter. Donc voilà, il a bien grandi, il était grand comme ça. Voilà Leïla, la voiture dont je t'ai parlé. La voiture vintage. On reste toujours dans le vintage. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. C'est une Ford Escort 1970. Elle a appartenu à mon beau-père et voilà. Et maintenant, c'est mon mari qui la chouchoute. Elle s'appelle Titine. Elle s'appelle comment? Titine. Fallait bien lui donner un nom. Bah oui, mais elle a une histoire, cette Titine. Oui. Elle a une drôle d'histoire. D'histoire. Quand on venait d'acheter notre maison à Bruxelles, il y avait un couple de racistes qui habitait juste 2-3 maisons plus loin. Et cette voiture leur appartenait. Et le monsieur ne la prenait que pour aller pêcher les dimanches. Et quand il nous avait arrivé pour la première visite, il s'est dit « Oh merde, encore des... » Des encore des Marocains, ils ne savent pas aller ailleurs. Donc voilà, nous on n'a rien dit, on a fait notre petite vie, les années ont passé et cette personne est décédée. Et si tu veux, sa femme a commencé à se rapprocher un peu de mon mari parce que c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime rigoler, qui discute avec tout le monde. Et puis elle lui a proposé de lui vendre à mon beau-père. Et donc on l'a racheté et ça se fait que la voiture maintenant elle vit sa vie au Maroc et on adore Titine. وعلامة تيتين غادي نقوموا بجولة في مدينة طنجة لكي نسترجع مع أمينة ذكريات طفولتها ونكتشف معها الأماكن اللي كتحبتها لكن وقبل ذلك غادي نمشيو للمقبرة باش نترحموا على جثمان والد أمينة. C'est le mec quand j'ai venu quand j'ai je viens me recueillir sur le Ham Walid, voilà. C'est un lien fort encore qui me reste avec le Maroc. Bien sûr. Voilà. Ouais. De toute façon, Tina Rjati, parce que justement le papa. Ouais, voilà, il est. Quand il va comme Dieu ou quand qui chlem Rjati. Ouais, Daiman. Il parlait toujours du retour. Donc voilà, malheureusement, ça a été fait très tôt pour lui. Il n'a pas pu accomplir, lui, son retour. Tu voulais absolument qu'on vienne ici. Ouais, c'était vraiment pour lui rendre un hommage, parce que pour moi, c'était très, très, très important. C'est par lui que je suis ici. Ouais. Ou du moins par son rêve aussi. Voilà.
Et ça nous fait poser aussi beaucoup de questions par rapport à l'immigration, par rapport au lieu d'enterrement, par rapport de ma génération, la génération suivante, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on veut être enterré ici, ouais. Est-ce qu'on veut être enterré là-bas, donc je sais pas, ça va être certainement réglé avec, avec le temps. غادي نوصلوا الجولة ديالنا في مدينة طنجة باش نكتشفوا مع أمينة الأماكن المليئة بالذكريات والحنين للماضي. سوق دبرة في الصباح. وا. سا بوج مي سا بوج بوكو موان كي لابخي ميدي. شنو لي سوفينيغ اللي عندك أمينة مي كنت صغيرة؟ هنا في طنجة أن توكا بيان سور. Ben ici, c'est déjà cette place. Uh-huh. C'est déjà cette place où elle faisait partie des sorties. Ça faisait, on devait venir de Sokh Dvara, d'autant plus que j'ai une tante qui avait un coiffeur là-bas. Donc on s'amusait à aller chez elle quand on n'avait rien à faire. Donc uh-huh. c'était notre lieu de passage habituel. Et puis il y a aussi le cinéma Rif qui se trouve juste ici. اللي كنت صغيرة كنا كنجيو للسينما كنشوفو لي فيلم دو بوليوود سي دي سوبر بون سوفينير و شاك فوا تعايلي مي كتهبط للمدينة ملي كنهبط للمدينة نتسخر نمشي لا غاليري كنعمل ما بتي بوز هنايا بتي جو اي فوالا جو في لا بوز عجيب واش لا فيل دو طنجي عندها شي تأثير على على الخدمة ديالك اي دو كيل مانيير Quand j'ai commencé à travailler ici au début, c'était très difficile pour moi parce que j'ai dû m'adapter à mon atelier parce qu'il est complètement différent de celui de Bruxelles. Bruxelles, c'est une très vieille bâtisse, c'est une vieille usine qui a plus de 200 ans. Donc tout est en briques rouges, parquet, c'est des grandes pièces au plafond. Donc quand j'ai commencé à peindre ici, ça a été très difficile de m'adapter parce que je devais dompter le lieu. Le lieu, oui. Parce que je passais d'un endroit qui était plus ancien à quelque chose qui était neuf. Non mais je veux dire parce que la lumière est différente à Tanger qu'à Bruxelles, les ambiances, l'environnement. Oui. Des petites balades, les quelques petites dînes. Enfin, tout ce qui est un autre de Madielk. Oui, mais non, moi je reste. Ce que je peins, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est pas différent. Je ne suis pas différente de Bruxelles, quoi. Je suis la même personne. Je ne connais pas la rue là. Si, mais bien sûr. Elle n'a filmé que j'ai le temps de jouer le nougat. Regarde, il est encore là. Moi aussi, tout le temps. Il est encore là. Ouais. Ici, ils sont en train de la retaper. En fait, ça va être, je pense, un style de résident d'artiste. Mais avant, c'était Damnieva ou Naya Dravtskaratsdak. Ah, là, il y a dans un petit bureau ici. Ça aussi, c'est un lieu culte de Tanger, le café central, le café ici, l'un des plus anciens, je pense aussi.
ننتهي الجولة ديالنا في المدينة القديمة بزيارات رواق فني كتعرض أمينة فيه اللوحات ديالها، وهناك سوف نلتقي بصديقها وصاحب الرواق اللي غادي يتكلم لنا على أعمالها. J'ai rencontré Amina il y a à peu près 10 ans. D'accord. Voilà, j'ai suite à une rencontre, une exposition. Et donc voilà, j'ai tout de suite apprécié son travail. D'accord. Ben justement, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a plu dans son travail? Et j'ai retrouvé un mélange qui m'a plu entre une force belge, c'est-à-dire un classicisme qu'elle a appris dans les écoles qu'elle a faites en Belgique, et une force tangéroise d'une femme avec en elle une force incroyable. Elle est capable de démonter des montagnes avec un caractère ouais, assez fort. Et surtout, elle arrive à aller là où elle veut. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quoi, rien ne l'arrête. C'est-à-dire qu'elle peut travailler 15 toiles, 20 toiles, mais elle a un but. Elle a justement cette force de classicisme. Ouais. Et je pense la force marocaine ou quelque chose qui la permet d'aller ailleurs et de ne pas avoir peur de créer. Au départ, j'ai vu des choses figuratives, mais entre guillemets torturé, oui. Voilà. Après, j'ai vu des abstractions oui, avec des personnages qui arrivaient, et maintenant l'hyper-réalisme, mais d'une qualité, parce que justement, elle a cette faculté d'abstraction et de classicisme. Donc elle a, maintenant, c'est un mélange des deux, et voilà, vous verrez, c'est extraordinaire. Voilà, c'est unique. Pour moi, c'est l'artiste marocaine. كنواصلوا جولتنا في مدينة طنجة على متن تيتين، وهذه فرصة نرجع بالزمن إلى الوراء ونغوصوا في ذكريات طفولة أمينة. Tout ce côté de Tanger a complètement changé. Quand j'étais plus jeune, il y avait le train qui passait là. On devait traverser le quai pour aller sur la plage. Ma famille avait une petite cabane où on devait se changer pour pouvoir accéder à la plage. Ouais. Je trouve que ça a perdu un peu de son charme. L'hôtel Riff, maintenant ça a changé de nom, ouais, c'était l'hôtel ouais, Riff. Et ma grand-mère y travaillait. Ma grand-mère était femme de chambre là. Amina, comme tu es arrivée en Belgique, tu penses que tu aurais quand même réussi à réaliser ton rêve d'être artiste? Je ne sais pas pour artiste, mais j'aurais certainement... mon père m'aurait poussé à faire des études parce qu'il était très pointueux sur les diplômes et sur le bagage qu'on pouvait avoir et qu'on devait se faire. Parce que même si on était là, il poussait mon oncle, son jeune frère, il l'a aidé à faire ses études, il est devenu professeur. Donc je pense qu'il aurait fait pareil, pour nous. Mais oui, si la passion était là, oui, certainement que j'aurais fait des études, peut-être ici des beaux-arts, pourquoi pas celle de Tétouan, oui, peut-être, oui, oui. Ouais. J'y pense parfois. Oh. Je me pose la question, si on était resté ici, qu'est-ce que je serais devenue? On peut voir l'Espagne de l'autre côté. Pour beaucoup de monde, ils voient le rêve, de l'autre côté. Ouais. Le rêve de l'ailleurs. Exactement. Alors que l'ailleurs n'est pas forcément ouais, mieux que chez nous. Il n'est pas forcément meilleur qu'ici, loin de là. Ici, c'est le premier paysage qu'on voit du bateau. Quand on arrive de Al Jazeera, qu'on prenait le bateau, la première vision du Maroc, c'est ici, c'est la Casbah. Ouais, ça paraît de loin et tout est blanc. Et puis tu as le cœur qui s'enflamme. Ça y est, on est de retour chez nous. Ça, c'était tous les ans. Ouais, ça, c'était tous les ans. Elle est magnifique maintenant parce qu'elle a été rénovée. Oui, tout a été ouais. Ouais, tout a été rénové. Et encore de loin, c'est encore... c'est plus beau parce que tu vois vraiment tout de haut. Tu vois Tanger et tu comprends pourquoi on dit Tanger la Alia. Ouais, tu vrai. Comprends. Ou Tanger la Blanche. Ouais. Moi, j'adorais les moments quand on se rapprochait, que le bateau se mettait sur le quai et que tu avais l'air... tu avais l'odeur du Maroc. Ouais. Tu avais l'odeur et c'était... c'était magnifique. On se sentait à la maison. Voilà, c'était la maison.
On était chez nous. Voilà. Et alors, en Belgique, tu te sentais pas chez toi? La Belgique, oui, j'ai aimé, mais non. Chez moi, c'est quand même le Maroc. Ouais, je peux pas le nier. Je n'ai pas envie de le nier. La preuve, j'ai jamais voulu changer de nationalité. J'ai toujours gardé mon passeport marocain. Voilà, toute ma famille, mes parents, ma mère, mes frères, sœurs, mari, enfants, sont tous belges. Moi, j'ai pas voulu. Parce que pour moi, c'était... Je niais quelque chose. Je niais une partie de moi et ça, je l'ai pas voulu. مع امينه غادي نتلاقاو الان بالفنان فؤاد بن لامين اللي استقبلنا في المنزل ديالو وعبر لنا عن صداقته لامينه واعجابه بعملها. Ce qui fascine dans son travail, c'est ce foisonnement et cet amour pour son travail. Je crois que c'est des rares artistes que j'ai vu travailler presque quotidiennement. Et travailler avec acharnement, c'est-à-dire l'art en général, la peinture ou le dessin, font partie de sa quotidienneté. Il y a cet entêtement, et un entêtement pas du côté péjoratif, qui est plutôt du côté jouissif et du côté nécessaire et essentiel pour son existence, je pense. كلمتي لي على اللقاء الاول بامينه هنا في الرباط في لا غاليري ديال عبد العبابو. شنو اللي طال الانتباه ديالك في الاول في داك العمل ديالها؟ طال انتباهي الجوده. جوده العمل والتقنيه. يعني كتبان بانه رسامه درسات. يعني لو ديسان وعاد تدوز للصباغه. ولو انها ما كترسمش ديريكتومون على اللوحه، ما كديرش ان ترافاي بريباراتيف. نو، يا با ان ترافاي، مي لو ديسان بريزون، مي كي سون qui tente beaucoup vers un expressionnisme. Tabiria, بخصوص تعبيريه احيانا يمكن لها تفكرك حتى في تعبيريه ديال غويا. بعض الاوقات. داك لا فورس. وكاينه قوه وكاين في بعض الاحيان كتحس بواحد الحزن بواحد المعاناه. جوستومون تكلم لي على هذيك اللمسه ديالها باسكو كل فنان عنده واحد الطابع ديالو واحد وي لا توش. Qui le caractérise par rapport aux autres. Il y a le dessin de la, c'est-à-dire l'ossature même de sa peinture, de ses portraits ou de ses figures. Elle essaye de la mettre en valeur pour mieux rendre l'expression de ce personnage. في لقائنا الاخير مع امينه اختارينا شرفه المنزل ديالها اللي كتقابل منظر رائع للمدينه. امينه وجدت لنا جليسه رائعه وبسيطه، وعلى الرغم من ان امينه اعترفت لنا بانها كترتاح اكثر مع الفرشات ديالها، غادي نتحاوروا معها على مسارها الفني المتميز. Amina, tu n'as pas été Tanja dans une famille, on va dire, nombreuse, parce que vous êtes Sbaa au total. Voilà, total. Moi, je suis née à Bimakada, donc c'était vraiment le quartier plus que populaire, encore une fois. C'est peut-être pour ça que je me retrouve bien ici. Le papa, il est parti à Bruxelles. Il a migré pour essayer de nous en sortir, de ce qu'on... qu'on vivait. Vous l'avez rejoint من بعد ياك مشيتي و رجوان en 67. En 67. Il est venu me chercher. Et depuis tu vis à Bruxelles. C'est ma ville d'adoption. Comment s'est passé ce départ? Parce que souvent les gens le décrivent comme un vrai déracinement, oui, une déchirure. واش انت عشتي بهذا الطريق? Très douloureux. J'ai des souvenirs très douloureux où on a dû m'arracher à ma grand-mère pour me mettre dans la voiture. Tellement que je hurlais, je voulais pas, je voulais partir. Et puis douloureux aussi du fait que pendant tous les voyages, c'est peut-être psychologique, j'ai attrapé un furon sur la fesse. Ah oui. Donc je n'arrivais même pas à m'asseoir convenablement sur le siège de la voiture.
Ah ouais, donc c'était vraiment voilà, douloureux. C'était très quoi. Douloureux pour moi. Et aussi encore une chose, sur le chemin, j'ai perdu une chaussure. Ah. Voilà, donc toute la route, je n'avais qu'une chaussure. Ah ouais. Voilà. Bon, donc, ouais, donc pour moi, c'est très symbolique. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, tu ne le comprends pas étant petit, étant jeune, c'est ans. Avec le temps. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est avec le temps qu'il y a des choses qui se mettent en place et que tu comprends. Ouais. Que tu dis, ben, voilà, et comment c'est passé l'arrivée ou l'adaptation après avoir été à Bruxelles? Oui, à Bruxelles même. Déjà en 67, il n'y avait pas beaucoup de Marocains qui, s'installaient, qui s'installaient là-bas. De plus de ça, on a été dans une commune où il n'y avait vraiment pas de Marocains. On était les seuls, je pense, les seuls. On était les seuls dans l'école marocain. Voilà, ça a été quand même assez, ça a été quand même assez dur. Qu'est-ce que le caractère de Amina me contait ce rire? J'étais une petite fille très timide. Oui. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est du fait aussi que je me sentais différente des autres. Tu vois, ouais. On était les seuls Marocains, on était dans une école catholique, donc on ne faisait pas les prières comme les autres, ouais. On n'avait pas les mêmes repas que les autres, je ne parlais pas bien la langue. Donc si tu veux, avec tout ça, je me suis toujours sentie un peu, étant petite, je me suis toujours sentie un peu... Mais les choses ont évolué plus tard. Oui, ça a évolué, oui, avec le temps, ça a évolué. Amina, dans ce temps-là, est-ce que tu avais une hiwaya de la race? Est-ce que tu étais attirée par le dessin? Pas très longtemps après mon arrivée... à Bruxelles, j'ai découvert le dessin par une camarade qui avait dessiné un petit ange. Ça, c'est vraiment les premiers un petit ange, et je vois toujours ce carnet devant moi. C'était, je me rappelle le lieu où je l'ai vu. Et c'était une révélation pour toi. Oui, c'était déjà une petite révélation. Ouais. C'est venu après, un peu plus tard, dans la même école. Les sœurs m'ont donné le prix de la gentillesse. Le prix de quoi, pardon? De la gentillesse. Ah. Parce que je n'avais pas le prix des maths, je n'avais pas le prix des français, je n'avais pas le prix des géographies. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va lui donner? On avait un tableau d'honneur. Uh-huh. Et chaque semaine, on donnait, tu veux, on marquait le prix de gentillesse, tel, le prix de maths. Donc, voilà, et on s'est dit, allez, on va la secouer. Prix de la gentillesse, et c'était une encyclopédie de Rubens. Là, c'était vraiment la découverte. Waouh, voilà, c'est quoi, magnifique. De mieux que découvrir la peinture par Rubens. Voilà. Et quand je l'ai ramené à la maison, j'ai commencé à copier et à redessiner les dessins et les peintures de Rubens. Ah, donc, excellent. Je devais avoir quel âge? Je devais avoir 9 ans. Ah oui, d'accord. Quelque chose comme ça. Et à la maison, est-ce qu'on dessinait un de tes frères ou le papa, la maman? Oui. Est-ce qu'on dessinait un peu à la maison aussi ou père, pas? Mon père dessinait souvent, il avait des petits agendas où il notait ses horaires de travail et souvent il dessinait une tête de profil. Voilà. Ah oui? Ouais, une tête de profil que j'adorais. Je pense que ma sœur, elle a encore ce carnet. Uh-huh. Ouais. Ouais, voilà, c'est lui qui m'a donné goût aussi. Au dessin? Voilà, dessin, crochet, bonnet, fil rouge, voilà. Cette passion, elle va certainement évoluer avec le temps. Oui. Et à quel moment ça a commencé à prendre de l'importance, Fietk? Vers 15-16 ans, ça a commencé vraiment, c'était je regardais les illustrations. Pardon. Je regardais les illustrations dans les livres. J'ai toujours aimé recopier, redessiner, voir par exemple Van Gogh qui avait fait une reproduction d'une illustration pour Les Misérables. J'étais déjà très tôt dans ça en fait. Hein. Ah oui. Je m'étais amusée à recopier. J'ai tout le temps, étant jeune, j'ai fait souvent ça. Oui. Et puis j'ai voulu m'inscrire au Beaux-Arts et bon là c'était un peu compliqué parce qu'il y a une fille qui devient artiste, tu vois, il y a tout l'autre côté de artiste, parce qu'on me disait non, tu vas pas vivre en étant dessinant, en faisant ça. Donc l'image de l'artiste, ouais, voilà. Donc j'ai un peu qui gagne pas bien sa vie, voilà, tout ça, voilà. Donc et surtout pour une fille, parce qu'on est quand même d'une famille assez très traditionnelle, donc c'était un peu difficile. Puis j'ai commencé à tourner
Et puis j'ai dit non, tout compte fait. Et je me suis inscrite aux Beaux-Arts. Ah, finalement, Trinité. Oui, oui. Et je suis rentrée, j'ai dit à maman, écoute, je me suis inscrite, c'est ça que je veux faire. D'accord. Je ne veux rien faire, d'autre. Tu as appris que tu voulais dire le métier d'artiste. Voilà. C'est pas tout à fait un métier non plus. C'est pas un métier. Moi, je ne le prends pas comme un métier, tu vois. Je ne le vis pas comme un métier. Non. Mm-hmm. Je ne le vis pas comme un travail. Non, c'est bien plus fort que ça. Alors, comment tu définirais ça? Eh bien, c'est essentiel. C'est une chose essentielle pour moi. C'est comme l'eau que je bois, c'est comme l'air que je respire. Je ne peux pas vivre sans. Donc, voilà, c'est très fort. Vraiment, c'est vital. Oui. Tout à fait, c'est vital. C'est vital. Ouais. Quand je suis devant une toile, j'ai l'impression que l'extérieur n'existe plus. Ah, donc en totale immersion. C'est pour ça que j'aime aussi travailler en musique. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que mes pupilles et la toile. Et tout ce qu'il y a autour, même mon corps n'existe plus. On a vu. Mais Kim, tu vas pas peindre, tu vas pas faire des toiles tout de suite. Tu vas attendre les Naho, tu vas rencontrer ton futur époux. Oui, voilà, tout à fait. Et vous allez vous marier. Voilà. Vous allez avoir rapidement les enfants. Très rapidement, oui. Ça a suivi, oui. Voilà. Donc tu es une maman de 8 enfants. De 8 enfants, ouais. Tabarakallah. J'aime tout faire. En gros, j'aime tellement ça que j'en ai fait 2 à la fois aussi. Une, c'était pas suffisant pour moi. Allez, 2. Mais voilà, c'était un pur bonheur quand même. C'était un pur bonheur. Ouais. Et pour moi, l'éducation était super importante. Bien même sûr. Si j'en avais 8, il fallait qu'ils aient un bon métier. Fallait assurer, quoi. Il fallait assurer. C'est pas parce que j'en avais 8 qu'il fallait baisser les bas. Mmh. Voilà, il fallait toujours être forte pour eux. Donc voilà, une fois qu'ils ont été sur les rails, j'ai pensé à moi. Même si je ne dessinais pas, je dessinais dans la tête. C'était constant. D'accord. Et je pouvais regarder n'importe quoi. Je m'imaginais en dessin, je m'imaginais en peinture. J'emmagasinais jusque quand j'en pouvais plus. Et puis, à un certain moment, j'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, ça va être trop tard. C'était très fort, c'était un besoin. Oui, tout à fait. Oui, c'était vital que je fasse, que je reconstruise, si tu veux, mon autre moitié. D'accord. Voilà, je ne voulais plus être seulement mère, femme, au foyer. Je me suis posée, je me suis dit, Amina, de quoi tu rêvais quand tu avais 18 ans? Voilà, c'était quoi ton rêve quand tu étais à l'académie, quand tu étais devant la toile, quand tu étais avec tes amis artistes, quand tu créais, quand tu découvrais, c'était ça que je voulais. Ouais. Donc, Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai décidé de revoir tout ce que j'étais. Ou bien juste ce que j'étais, je voulais l'autre moitié. Pour être complète, je voulais être complète. Ouais, ouais. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Mon mari m'a toujours poussée, parce qu'il savait déjà. J'étais déjà aux Beaux-Arts quand je l'ai rencontré. Donc, il m'a poussée. Il m'a dit je vais t'aider, je m'occupe des enfants. Super. Donc, voilà, il m'a fortement soutenue. Soutenue. Tu as repris les cours de dessin. Moi, j'ai repris des cours de dessin. Donc, voilà. On pouvait y aller 2 fois par semaine. Et moi, j'y allais les 4 jours. Ah oui, ça ne te suffisait pas, Jauche. Les 2 jours ne me suffisaient pas. Sûr. Ouais. Donc tellement la soif de dessiner. J'étais dans une espèce d'urgence. Ah oui, voilà. J'avais toutes ces années-là. À rattraper, toute cette accumulation qu'il fallait sortir. Et j'avais trop de choses à dire, trop de choses à raconter. J'avais envie de trop. Et voilà, il n'y avait que la peinture qui pouvait me soulager. بين أمينة والرسم قصة طويلة ولازالت مستمرة. شغفها وحبها للرسم كان قوي لدرجة أنها نجحت في تجاوز كل الصعاب والعراقيل.
بفضل إرادتها القوية وصمودها وعملها الجاد، تمكنت أمينة رزقي من إثبات نفسها وفرض أسلوبها الخاص خلال 20 سنة من الممارسة الفنية. شاركت أمينة رزقي في معارض كثيرة في بلجيكا والمغرب اللي عرفوا بها وبالأعمال ديالها، وكتعتبر اليوم واحدة من بين الفنانين الشكليين المغاربة الموهوبين في جيلها واللي اكتسبوا شهرة عند الهوات والمحترفين. وكتدخل أعمالها ضمن أكبر المجموعات الفنية الخاصة والعامة. أمينة رزقي هي مثال للمرأة اللي تولت بين يديها مسؤولية المصير ديالها ولم تستسلم أمداً في مواجهة الصعوبات وحتى حاجة ما منعتها من تحقيق أحلامها. Quand j'ai commencé à peindre, c'était super important pour moi que je revienne au Maroc et que j'expose au Maroc. Pourquoi? Parce que mon père avait toujours ce rêve de revenir. Pour lui, on n'allait pas vivre là-bas. On était là pour un certain temps, et revenir. Et il me disait tout le temps, quand on retourne au Maroc, vous devez étudier, vous devez avoir quelque chose. Il faut retourner au Maroc avec quelque chose en main, il disait. C'était ça. Un bagage pour revenir chez nous. Donc moi, ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Donc c'était super important pour moi que de venir, revenir. Et je suis revenue avec, je suis revenue avec ma peinture. Pour moi, c'était... j'ai réalisé un peu le rêve de mon père.